Bonjour à tous, ici Anthony. Alors, juste vous dire un truc, je suis un peu malade, donc il y aura quelques petits bugs de ma voix. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente donc l'épisode 2 de Vlog. Donc, aujourd'hui j'ai reçu quelque chose. Alors, est-ce que c'est du BST? Est-ce que c'est un manager compact pour orchestre et karaoké 6 entrées micro et en ligne? Ou ligne, pardon. Est-ce que c'est un truc mélangeur BST? Alors, on va voir ça tout de suite. Tac. Attendez, je vous pose 2 secondes. Bah, je vais essayer de vous poser. Putain, je sais pas. Allez. C'est horrible. C'est quoi que l'iPhone qui tient pas? Pire à faire comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, de la protection, encore une protection, désolé si ça bouge beaucoup. Voilà. Ça trop bien le gars. Oui, j'ai acheté d'occasion, hein, encore une fois. Il est en super bon état. Donc c'est un contrôleur Martin. Donc c'est le Martin 2504. Donc voilà, le manuel, le tour, mode musique, choisir les séquences, les programmes, le blackout. Et voilà, c'est bien marqué. C'est pour les robots Scan 812. Donc c'est pour eux. Pardon. Donc c'est pour eux. Donc en fait, c'est un contrôleur qui est que pour les robots Scan 812. Martin robots Scan 812. Donc dedans, il y a des programmes préenregistrés qui sont vraiment sympas. J'ai vu sur internet. J'ai regardé en ligne. Sur YouTube. Parce qu'il y avait qu'un programme dedans. Et c'est vraiment sympa. En plus, j'ai l'impression que la révision a été faite il n'y a pas longtemps. Donc qu'est-ce que si on n'avait pas de truc important. Bon là on s'en fout, ça consomme 18 watts. Donc la prise R632 input. Alors en fait ça sert à programmer le contrôleur, mais ça je m'en fous complètement. Parce que déjà les programmes à l'intérieur sont déjà très sympas. Et la sortie, bon, ils appellent ça le data link chez les vieux produits Martin. Mais bon, en bref c'est du DMX mais inversé. Donc voilà, donc c'est un petit contrôleur 2U, pardon, 2U. Donc on va brancher le robot Scan 812. Et on va tester. Voir ce que ça donne. Et c'est parti.
Donc on voit qu'il y a vraiment un programme sympa, donc ça va très très loin. Voilà, bon après ça fait 40. Après c'est des programmes entiers, si je me souviens. Je vais faire manuellement, tac. Après, il y a moyen soit de mettre en mode automatique. Je sais pas si ça se voit. Je peux pas mettre le moteur, je vais allumer. Donc, hop. Donc là, on est passé dans les programmes. Donc, on en a 4. Ah non, plus. On en a plus que 4. Donc, il y a. 5 programmes. En fait, ça c'est des scènes après. C'est des mini-scènes. Donc il y a vraiment des trucs sympas. Après, avec le auto, ben, on donne le tempo de la séquence. Ou de la scène. Quand on est là, il y a des fois des trucs sympas. Oh, ça change tout seul. Après, mode manuel. C'est-à-dire, c'est nous qui changeons pas manuellement. Hop, je tape dessus, ça change tout seul. Donc c'est bien, c'est parce que dedans ici il y a des mouvements intégrés, donc on voit là, ils bougent tout seuls, ils font pas tac 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 rapidement. Alors, ce programme 1 par exemple, voilà, ils font tac tac tac, c'est des pas rapides. Et là on arrive à faire des pas, pardon c'est 3, on fait des mouvements fluides, pas fluides, moins qu'appelle ça, moins séquencé, bah, moins pas à pas je veux dire, voilà. Bref. Là, on a un mode blackout, donc coupe la lumière, mais les mouvements continuent. Et là, le mode d'entrée, bah, c'est dès qu'on prend un programme on choisit, là, pop, on fait entrer. Donc, ouais, c'est vraiment tout con. Alors, par contre, ce contrôleur peut contrôler 8 robots scan 812 ou 8804 indépendamment. Parce qu'en fait, là, il envoie une information sur chaque scan. Différent, c'est-à-dire que si vous mettez 8 scans d'affilée, et ben ça, ils vont pas faire tous le même mouvement. Bah, après, c'est pas le problème qu'il y a dedans, mais il va faire en sorte de faire vraiment des trucs sympas. Après, quand on lit le mode d'emploi sur internet de ce contrôleur, il nous dit comment ils font positionner les scans dans Niscotex, etc., pour un meilleur rendu possible.